Dernière draft de la soirée, direction Gotham City. L'entrée de Gaëtan qui est déjà bien accueilli dans le chat. Gaëtan et Klanik, bien évidemment, l'ensemble de l'équipe dont il est capitaine, apparemment, va devoir réussir à remonter déjà la première défaite qu'ils ont subie un tout petit peu plus tôt. Ils vont affronter des Acromas qui ont montré une première game somptueuse face à PCS. Un plan de jeu bot side magnifique. Donc des équipes qui n'ont pas montré du tout le même visage sur la première game. On va voir ce que ça va donner. Absolument, on va voir si que du côté d'Acroma, on va réussir à confirmer la très bonne impression qu'ils ont réussi à avoir face à PCS, ou tout cela n'était que face à une équipe qui est censée être un petit peu plus faible sur le papier. Côté Klanik, bien sûr, on a cette première game qui n'a pas été hyper satisfaisante, bien sûr, mais malgré tout, on reste sur un plan de jeu établi. Varus est open. Varus et First Pick. On a Kalista, Ashe qui ont été retirés, Senna, Seraphine, très bien. Est-ce qu'on a une réponse autre que Jhin à proposer au niveau de la bot lane? Normalement, on va y répondre tout de suite, il n'y a pas de raison de ne pas montrer. Ok, Tristana, petit flex, mais le Tristana Maokai indique tout de même la mid lane. Hein. Ouais. Voilà. Moi, depuis le début de la saison, je crois qu'on n'a pas vu de Tristana bot, si je dis pas de bêtises. On a eu celle de Vespa. Oui. On a eu celle de Vespa, mais c'est sûr que ça fait longtemps qu'elle est. Genre, c'est du 90% mid et 10% bot overall, quoi. Donc. Le Xin Zhao qui a été récupéré du côté des Klanik et très tôt pour récupérer une Gwen du côté des Klanik ici, sachant que si on le veut, c'est risqué, mais on peut y répondre tout de suite avant les bans. Mm-hmm. Mais du coup, qu'est-ce que t'as envie de répondre là maintenant dans la Gwen? C'est sûrement la question que Théoloris est en train de se poser, ou alors que le reste du staff lui a posé. Et on a une Poppy. Pour le coup, face à Xin et Gwen, j'aime bien, pas incohérent. J'aurais presque aimé, puisqu'il est. Ah non, j'allais dire une connerie, il est pas open, il y avait Rumble. Mais, voilà. Mais il était pas open, effectivement. Donc Poppy prend tout son sens ici. On va rentrer dans cette deuxième phase de ban. Et c'est là où ça va pêcher un petit peu, c'est-à-dire que on a certes cette Tristana très probablement mid lane, mais du coup on aura probablement plus de carry à des top tiers à récupérer côté Michigou, étant donné que Klanik va s'en séparer. Ouais, et on répond, enfin du côté des bans, Acroma est en train de retirer les bonnes réponses à la Tristana mid, Syndra et Azir normalement, à part si Xeltop a entraîné un petit Quay. Parce qu'on a vu la réponse du côté de Kuro et je pense que ça joue effectivement dans l'affrontement direct. En tout cas, Syndra purement et simplement logique. Les autres réponses à Varus, de toute façon, on essaye de jouer au niveau de la range. Si on a proposé Jhin, Caitlyn rentre également un peu dans la partie. Mais pour l'instant, le Jhin est toujours laissé open. Ouais, Jhin marche bien dans Maokai. Le seul problème, c'est que si on récupère Jhin, avec seulement Tristana en main DPS, ça risque d'être un peu juste. Hey, est-ce qu'on a une possibilité d'avoir un Ziggs-bot? Parce que je me dis, si t'as déjà ton AD mid, si t'as envie de jouer quelque chose avec de la range, qui dépouche, qui répond un peu au Varus, je suis en train de me demander. Je sais pas après si c'est le type de Michigou de partir sur des AP-bot, mais sinon, ça permettrait tout de même un stuff du côté du Xin. Très facile, vraiment orienté full armure. Ouais. Et le Jhin va être laissé en pied de nez. Jhin, ça me paraît être un trap quand même. Ouais, en fait, c'est un immense piège. Parce que du coup, tu fais full armure en face et Jhin. Voilà, c'est d'or. C'est finito. Hein. À moins que ce soit Jhin, Lux, et du coup, Lux prend une partie de dégâts AP. Oh. Pourquoi pas. Oh. Et du coup, on joue le flex. Non, ça sera du coup. Attends. Ah là, la Tristana peut être bot. Du coup, Tristana bot. Et tu peux toujours avoir Maokai ou Trist ou Poppy support. Des Maokai support, ça a été joué. C'est un très bon win rate dans ce début d'année. Mais en tout cas, on joue sur un immense flex. Maintenant, la valeur de ce Sylas. Pour les premiers ultis, l'ultivarus a un très gros ratio AP. Mais t'as une réponse on ne peut plus correcte. Oh, c'est pas fini. La Cassio m'enchantée. Est-ce qu'on la valide ou pas pour Xeltop? On hésite, mais on n'est pas sûr à 100% de la position de ce Sylas. C'est autant Cassio top, ça se joue, autant Gwen mid, vraiment pas. Ouais. La Gwen mid, la lane est tellement courte, t'as même pas le temps de trade. C'est ça. Donc, ou alors Ryze. Allez. Ah non, donc c'est une Karma qui va être là pour jouer. Oh, Karma mid avec Xin. Oh. Et du coup, on va flex jusqu'à où?
Ok. En vrai, la Poppy peut aller support. Face à Nautilus, c'est cool. Bah, Alistar dans Nautilus, ça marche très bien. Ça, c'est pas une mauvaise réponse. Et du coup, on entrevoit probablement le plan de jeu qu'on envisageait de base. Ouais. Triste bot. Maokai dans la jungle. Et on aura... Oh, tu sais que j'aurais limite bien aimé Brome en fait à la place. Parce que Brome, Tristana, ça marche bien. C'est la Tristana qui doit sauter en premier et Brome qui doit suivre. Et même Brome dans Nautilus, c'est bien efficace également. Mais on a fini quand même avec des twists de draft qui me laissent un peu pantois. T'es allé un peu dans tous les sens. La midlane, j'étais pas trop prêt, tu vois. Mais ce Karma, Sylas Smith, c'est vrai qu'on l'avait pas trop venir. Sachant que je pense pas que Zangstead passe une très bonne phase de lane. Alors, bien sûr, hein, le pick Sylas prend toute sa splendeur dans les teamfights et les regroupements. Mais du coup, le R de Karma, il est globalement useless. Tu vas te prendre la sauce et la Maximax au niveau de la pression de mid. Donc, tu vas. Un Zangstead, il va pas passer une bonne game dans les 10 premières minutes de jeu. Quoi. Mm-hmm. Ouais, et ça va permettre normalement à Zangstead de vraiment prendre les devants, d'aller chercher un. Normalement assez loin, mais où est-ce qu'on va chercher? Bon, en tout cas, on va couvrir la botlane. Si t'as Varus et Nautilus, bon, normalement, avec le Varus rien qu'à lui tout seul, tu dois réussir à mettre un peu de pression. Et on va voir comment ça va enchaîner. Je suis assez curieux du stuff de la Karma également. Est-ce qu'ils vont tenter un truc genre à base de funnel avec l'item support, mais ça serait abusé. Oh mon rêve. Ça serait abusé. Tu viens de me vendre un bonbon à... Il est quelle heure? À 21h45 là. Ça me mettrait très très bien, mais en même temps, est-ce que j'ai envie de voir cette aberration? Est-ce que factuellement c'est encore possible? Parce que ça demanderait beaucoup de babysitting du Xinzao pour récupérer les ressources, sachant que tu as le nerf sur l'item jungle plus le nerf sur l'item support. Est-ce que tu peux t'y retrouver? Je pense que c'est dur. Je pense vraiment pas. Sinon, on aurait déjà entendu parler. Quelque part, ça serait sorti. Ouais. La seule question, c'est est-ce qu'on va avoir le droit à l'option Moonstone très support de Karma, ou est-ce qu'on est sur l'option saison 14 Malfaisance? Malfaisance, pourquoi pas? Je suis pas convaincu, je pense qu'elle aura plus de valeur en tant que support parce que Xinzao en a bien besoin, t'aimes bien sur Varus, etc. Mais on peut. Enfin, le pic de Karma étant un peu excentrique, est-ce qu'on peut. Voilà, on peut s'attendre à des choses un petit peu particulières également. Ouais. Mais ce sera. Bon, c'est une game un peu spéciale. On va voir comment elle va réussir à se décanter. On va avoir beaucoup plus d'importance du coup au niveau de la mid lane que par rapport à la bot lane qu'on a vu dans les précédentes games. Donc on va voir ce que ça va donner sur cet affrontement entre Xeltop et. Avec le H au milieu, je me trompe à chaque fois, mais Zangstead, je ne sais pas où mettre le H, mais ce n'est pas comme si ça a changé grand-chose. Mais entre Xeltop et Zangstead, qui sont montés récemment en Division 2, voir comment est-ce qu'ils vont fouler la faille de l'invocateur dans cette situation. On est rentré effectivement en première confrontation entre Klanik et Akroma, deuxième journée de Division 2, bien sûr. Et donc, deux compositions qui, sur le papier, ont chacune leur force. D'un côté, on a une composition très biffy tout de même, avec 4 mêlées du côté des Akroma qui vont être là pour protéger une Tristana qui va essayer de naviguer dans le teamfight. Et de l'autre côté, on est sur un peu plus de poke avec Karma, Varus, quelque chose de plus long range, avec une principale engage Nautilus et un follow-up qui peut être aussi intéressant du côté de Xinzao qui vont devoir combiner ensemble pour pouvoir jouer. Par contre, niveau poke longue distance, ça semble pas être l'option choisie par Nata. Ah oui. On est sur du un-hit et quand tu l'as précisé qu'il y avait 4 mêlées en face, je pense que le Ginzu BRK Runan, boosté à la Karma qui va te permettre de rester longtemps dans les fights, ça me semble tout de même être un choix très intéressant de la part de la Décarie Clanique. Je suis presque déçu, tu vois, genre il part sur un stuff du coup attack speed et il a pas ghost. Alors certes il va être boosté par Karma, mais être une mobilité dans les teamfights c'est quand même assez marrant. Mais bon, la cleanse face à Maokai, face à Sylas, c'est embêtant quand même. Ouais, et en plus, habituellement, je pense que dans beaucoup de match-up avec Tristana bot, la Tristana joue fatigue. Vraiment le jumping fatigue, et t'aimes beaucoup prendre une purge contre Tristana de base pour réussir tout de même à pas te faire all-in trop facilement. Donc ça n'a pas été le cas de Michigu, qui lui est parti sur son ghost, mais on était déjà prêt. Bon, on a vu les premiers trades, niveau 1 Alistar, pas un champion, on le voit pas souvent donc c'est bien de le rappeler, et ça permet du coup à Nata
et battu de bien démarrer cette lane. Je serais me demander, on dit battu ou battu? Comme il y a plein de U. Difficile à dire. Moi, je dirais qu'il s'est bien battu. C'est ça. Je suis en forme ce soir. C'est vraiment on fire. Hein. D'ailleurs, bah, je pose un peu la question au chat, mais je connais pas la prononciation en turc parce que je crois qu'il est turc, si je me trompe pas. Donc, si ça trouve, le U se dit un peu différemment. Et on va peut-être devoir corriger notre prononciation pour représenter le joueur. C'est le top qui abuse du match-up ici, vous le voyez. Hein. Alors, en termes de farming, Zantzid tient bien la route, bien sûr, mais ça se voit surtout en termes d'HP et de pression de lane. Zeltop est en train de mettre une vitesse littéralement à son adversaire. Et du coup, le Nautilus qui a fait un petit décalage pour assurer la pression. Comme ça, pas de danger, pas d'arrivée du jungle qui peut forcer un flash. Pour l'instant, la synergie est bonne côté Clinic. Ok, Gaëtan, ça se passe comment? Théoloris qui a réussi à avoir des petits dégâts. Mais bon, on est un peu bloqué sous sa tour. Cependant, les potions de corruption ont toutes été utilisées. Pendant que du côté Gaëtan, on voit qu'on a l'un des élixirs, l'un des ajouts de cette saison 14 qui a remplacé la stopwatch qu'on pouvait récupérer via les runes. Et battu au final, la force est resté beaucoup plus longtemps au niveau de la mine. Oh, le Q de Karma qui part à Narnia. On tanque la tour un peu plus longtemps pour battu. Et le premier stand va tout de même être récupéré par Xeltop. On s'est fait peur. On a loupé un spell important. Mais le dive pass, c'est le plus important. On oubliera le souci qu'il y a eu au niveau de ce QR. Par contre ici, Xeoner qui est en train de récupérer son land buff et Toshi ne pourra pas se permettre d'aller chercher l'invade. Ça reste dangereux malgré tout, le passage niveau 4 au passage de ce Maokai, tandis qu'on revoit le play. Moi je pensais que c'était juste une cover de la part du support des Klanik, mais non, on attendait le bounce back. On était là pour pulvériser Zanxi. Ah, il s'attendait à ce que le Q de Nautilus ramène un peu plus proche. Et du coup, on est un peu triste, mais on avait largement les dégâts. Bon, Gaëtan, une wave d'avance. Hein. Tout de même, à peu près. Maintenant qu'on vient de récupérer tout de même ce tour, ça va. Tushi, qui joue agressif sur Xeoner, mais on a réussi à s'en sortir très très facilement pour le Maokai. Petite ward pour Gaëtan, pendant que Théoloris va chercher à calmer un peu la wave. Je pense qu'il a envie d'avoir rapidement son back, tout de même, récupérer ses stacks de potions de corruption. Ok, oui. On sent que la lane commence un petit peu à déborder du côté de Gaëtan avec sa Gwen. Et du coup, pour l'instant, la situation est un petit peu compliquée pour la Poppy, mais c'est un match-up qui est difficile dans tous les cas dans un premier temps pour la Poppy et qui s'inverse petit à petit au fur et à mesure de la tankiness qui est validée par le top laner Akroma. Et on voit que le back a été réalisé d'ailleurs. On a récupéré ces cendres de Mamie qui vont ensuite avancer vers la Sunfire contre les dégâts AP. Ouais, un très bon ajout. Un très très bon ajout de cette... de ce début de saison, enfin de cette saison 14 tout simplement. Bon, on a fait que un petit crubs, on a juste fait cycler son smite il semblerait pour toucher, on obtient un peu d'XP et tout, et rien de plus à signaler. Et du coup, ouais, on confirme bien le on-hit sur le Varus, même si on n'avait pas de doute. On démarre la BRK. Non, le BRK, ça va faire quoi? BRK, Runan, Ginzu, au bout du rouleau Terminus. Ouais, quelque chose comme ça. Le rêve du on-hit, vraiment. La question c'est... en fait, je sais que les AD carry ont un peu du mal avec le Terminus parce que le build pass est un peu horribad. Et du coup, ouais, genre, t'as un peu la flemme de le faire. Mais l'item reste assez fort sur le papier. On l'a vu en deuxième item sur une Kalista un peu plus tôt dans la soirée, mais qui n'avait pas réussi à snowball malheureusement. À dire que c'est de la faute de l'item, on va pas aller jusque là. Mais c'est à demander en quel nombre d'items on va le voir. Les deux ultis ont été claqués au top, mais bon, pas trop de dégâts. Les plantes que Théoloris a récupérées vont faire en sorte qu'il revienne sur sa lane aisément. Ok, oui. Et on voit que du coup, malgré un trade initialement pas idéal du côté de Planar Akroma, avec cette plante, on revient quasiment en pleine forme. On a tenté d'entamer un back pour Gaëtan, mais malheureusement le Dawn se rend compte que son adversaire est en train de push la wave et il est obligé de la récupérer et laisser donc la tempo à son adversaire. En vrai, Sanxid, au niveau du farm, 4 creeps de retard en tant que Sylas contre Karma. Ouais, c'est legit. Ouais, il n'y a pas trop de problème. Pas trop de problème. Ça fait tout de même 1000 gold d'avance au total pour Klanik dans ce début de partie. Petit avantage de farm un peu partout. C'est pas grand chose, mais ça crée un léger avantage.
Ouais, la priorité botlane qui sera utilisée pour valider un nouveau reset pour Nata ici. Et donc donner peut-être un avantage pour la rotation. Non, bah tout va rester sur un bac similaire. Tandis qu'on valide les cocons d'acier pour ce Varus. C'est tôt quand même. Hein. C'est tôt. Mais bon, il les aurait achetés au bout d'un moment. On va être sur le Varus Onyx qui a envie de rester longtemps en fight. De toute façon, il aura des dégâts. Je me demande même si cette option un peu plus défensive nous indique pas qu'il y aura juste BRK Ginzu et qu'après on va être sur du vilain Jack Shaw et compagnie. Oh, le Jack Shaw. Ouais, Dieu. Voilà. Qu'est-ce que c'est toxique sur les ADC, genre vraiment. C'est. Ça pourrait être drôle. Ça pour Varus. Pour Varus uniquement. Ouais. Et c'est là où on va. Enfin, le fait que Varus ait ce build à la fois létalité, à la fois on-hit, à la fois on-hit un peu tanky et tout. Oh attention, le passage niveau 6 de ce Varus et on a déjà un kill en 2v2, ça a été pris extrêmement facilement pour la botlane clanique. Velocity n'a rien pu faire. C'était très très clean effectivement et du coup la mort pour ça Alistar. Et on a l'enchaînement du snowball hein, du côté des claniques avec en plus de ça un Tushy qui a récupéré, vous l'avez vu, les derniers Void Grubs de son cycle. Et du coup bah on a les 3 Void Grubs, 2 kills et il n'y a pas eu de réponse sur la carte type dragon quoi que ce soit. Donc pour l'instant on est un petit peu en train de gagner sur tous les plans du côté des claniques. Un peu tranquille effectivement. Je lance du côté d'Akroma. On se dit dans le vocal à partir de quand on essaye de jouer, d'être proactif. Dans le sens où, comme ils n'ont pas de duo mid-jungle qui peut vraiment être mettre du rythme au début de partie, je me demande quel est leur point de départ. Est-ce que c'est premier item de Sylas? Est-ce que c'est deuxième item? On verra, mais pour l'instant, ils doivent faire le dos rond. Ils n'ont pas trop le choix. Malheureusement, non, effectivement. Et la situation, il ne faut pas non plus qu'il la laisse déborder. C'est-à-dire que si on commence à avoir trop d'avance, quel que soit le tempo que tu veux choisir pour re-engage, si tu as 4-5 kagol de retard, ça devient déjà trop tôt. On a déjà la Moonstone sur Karma. Ah oui, effectivement. Ouah, c'est tôt. Après, l'item est en promo. Putain, mais il a aussi ses bottes rang 2. Et il a acheté les bottes rang 2 au premier bac. Et là, il est deuxième bac, Moonstone. Ça coûte si peu cher. Bah, il a peut-être marché du futur dans ses runes, en plus d'avoir Aeri. Ouais, mais ça coûte 2200. Hein. C'est ridicule. Pour un liner, 2200, c'est vraiment offert. C'est vraiment offert sur ton bac. Bon, et là, du coup, la différence de puissance est colossale. Tout simplement, on est sur un timing niveau 7 de Xin qui peut être boosté et rester dans la mêlée tellement longtemps. Ça n'a aucun sens pour Akroma de chercher des fights. Ici, Klanik peuvent prendre tout ce qu'ils veulent. C'est tout droit. Absolument. Pas de contestation possible et surtout, pas de contestation à faire à ce timing-là de la partie. Klanik va tranquillement récupérer ce dragon et continuer leur razzia en objectif neutre depuis le début de cette partie. Est-ce qu'on peut même trouver un fight? Bah, c'est tout. On arrive à toucher ça. C'est un petit peu honteux. Il y avait le mur tout de même, mais on réussira à s'extraire grâce à la plante explosive et pas de summoner complémentaire de récupérer. Retour en lane, est-ce qu'on peut tenter quelque chose? Velocity avec un flash, on y va. C'est pas mal, c'est pas mal, on va chercher Batou qui avait utilisé son flash lors de l'interaction précédente. Nata qui essaie de mettre quand même pas mal de dégâts. Xeoner va arriver, deuxième jump de la part de Michigou. C'est malheureusement les cendres de Bami de Xeoner qui vont récupérer le kill. Mais actuellement, réussir à prendre des trades positifs pour Akroma, c'est une très bonne nouvelle. Absolument, la situation paraissait un peu inextricable, mais on a réussi à prendre de vitesse tout simplement leurs adversaires ici. On force l'arrêt engage, on trouve un très bon flash in pour Velocity et tu le disais sur un Batou qui n'avait pas de flash, c'était une cible gratuite. Bon alors premier item pour la Poppy de Théoloris, on doit avoir le premier item également sur Gaëtan, ça passe. Ça passe, il revient avec sa TP, premier item Riftmaker. Très fort. On va réussir à sustain. Riftmaker sur Gwen qui désormais est d'autant plus fort étant donné que la régène sur les dégâts de zone n'est plus nerf comme ça a pu être le cas auparavant sur le créateur de Five. Et du coup c'est un très bon item sur Mordekaiser, sur Gwen, d'autant plus oppressant. Ouais, le combo avec Léandri. Oh là là. Les deux items qui se ressemblent beaucoup. Du coup l'avoir en double, forcément efficace. Alors, TP mid, on a le premier item sur le Sylas qui est donc parti sur un bâton séculaire. Ça m'annonce pas qu'on a envie de jouer sur le premier item. Bah on n'a pas trop envie de jouer sur le premier item, mais du coup ça va faire 6 Void Grubs.
Ouais, et c'est un peu, ça ressemble tout de même un peu à l'assurance d'une karma. Alors attention, les aiguilles. Il reste encore une stack. On a flash un peu tôt pour Théoloris. Les mouvements, et on a ajusté, mais on n'aura pas les dégâts. Heureusement, on a QC avec des potions pour Théoloris, mais la pression de Gaëtan est tout de même présente. On va réussir à concrétiser ça en plaque. Moins de 60 HP du côté de Théoloris ici, qui s'en sort vraiment à pixel. Et tu disais, hein, des plaques qui vont tomber, les Void Grubs qui sont en train d'arriver du côté des Klaniques. On va répondre au niveau du bot side, on va essayer de tout mettre sur Natal. Le flash a été réclamé, les flashs dans tous les sens, malheureusement rien ne passe ici. Michu qui a été forcé, j'ai son ultimate, et malheureusement son summoner, c'est probablement la mort du côté du bot side. Oh, Akroma, on arrive à trouver un bon dodge ici. Zanxid qui arrive justement en soutien et peut-être offre la salvation pour sa botlane. Zéonaire, arrête de prendre les kills, mon sang. C'est le deuxième pour ce Maokai, mais on arrive réussi à trouver une supériorité numérique. De base, c'est eux qui voulaient jouer le dive. Et c'est un peu le prix de ces Void Grubs. On a essayé de faire deux plays à la fois. Bien évidemment, 6 Void Grubs, mais un petit kill supplémentaire récupéré par Akroma. Il manquait encore un peu de dégâts. Il n'y a pas encore la BRK pour le Varus. Le fait de ne pas avoir de létalité, la flèche n'a pas encore arraché le bras de cette Tristana, malgré l'utilisation de ces deux summoners. Théoloris par contre qui sent qu'il peut se faire déborder, et du coup vous voyez, regardez, en train de juste observer la wave de loin, il peut pas se permettre de la crash. Gaëtan qui va justement la chauffe juste ici, mais à tout moment on a vu que le match-up peut aller en faveur de la Gwen, et Théoloris doit respecter pour l'instant. Attention, touche, que va-t-il faire? Tiens, on cherche à donner un peu d'aide à Gaëtan sur le top side. Théoloris n'a plus de flash. Pas de ward, on n'est toujours pas vu pour toucher. On fait des petits allers-retours. On est en train de préparer juste le héros de la faille. Le push au niveau de la top lane de Gaëtan va permettre à son jungler de vraiment assurer l'objectif neutre. On a également grosse pression mid lane prise à 3. Oh. J'ai 5 doigts de la main pour pouvoir jouer sur le héros de la faille. Hein. Est-ce qu'on peut répondre d'une quelconque manière du côté d'Akroma? On voit que Zanxid c'est bot side, pas de TP. On essaie de récupérer la frigue humide du côté de Michigou et Velocity. Je pense qu'on va devoir give encore une fois. Et il va faire attention à ne pas trop se faire punir ailleurs. Vous voyez, topside, on a un piège qui commence à se tendre autour de Théoloris. Mais finalement, Batou qui va reset tout simplement. Après, il n'y a pas de TP sur Zanxid. Hein. On est seul, hein, pour la poppy de Théoloris. On est seul, mais bien full life. Ouais. Bien full life, niveau 11. Et il n'y a pas à forcer parce qu'au final, la première tour est récupérée par Akroma, qui arrive tout de même à choper des petits gains à droite à gauche et à revenir du coup à égalité au gold. Absolument, et revenir à égalité alors que la situation n'était clairement pas simple. Le trade avec le héros de la faille a été fait, du coup, première tour contre le héros de la faille. Maintenant, les Klaniques ont la possibilité de fixer le prochain play avec le Herald pour pouvoir peut-être jouer leur deuxième dragon qui va faire son apparition d'ici quelques instants. Ouais, petit dragon des océans récupéré. On crache pas dessus. Si c'est une âme technochimique avec la composition de Klanique, c'est honteux, je le dis déjà. Alors, enfin, avoir heal et shield bonus, réussir à mieux résister quand t'es à 50% de THP avec karma et tant de heal, de durabilité et tout. L'âme technochimique est absolument broken dans cette game. Et ça sera une âme des nuages, okay, malheureusement. Bon, on s'en fout. Très bien. En vrai, on s'en fout pas tant que ça. Hein. Akroma l'aime bien. Voilà, Akroma l'aime bien. Gaëtan l'aime bien aussi, en réalité. Avec les aiguilles. Et Nata, s'il a un petit peu de movement speed post-ultimate. Hey, tu parlais du manque du ghost. Donc en vrai, on peut le revoir. Oui, forcément, bon, de toute façon, s'il récupère une âme, ça leur donnera tout de même un petit avantage. Mais du coup, l'écart au gold a bien été réduit. On a le séculaire de Zanxid qui stack tranquillement. Ça va prendre son temps. Mais pas oublier également, Sylas et Tristana, en termes de duo carry, ça scale correctement. À ne pas sous-estimer tout de même, même si en face, la Gwen a un peu allure de Thanos face à 4 mêlées. En fait, c'est le seul problème. C'est si Gaëtan commence à réussir à prendre la main assez fort dans la game, il peut faire un sacré montant de dégâts. Après, vigilance tout de même, parce que c'est aussi le problème lorsque tu joues face à Katmele, c'est que en tant que Gwen, t'as une front line sur laquelle t'exprimer est découpée, mais il y a aussi beaucoup de CC dans ces 4 mêlées en réalité. Ouais, et ta zone, elle est... Bon, ça donne des résistances, mais elle est moins utile que face à la Tristana par exemple. On verra. En tout cas, on a déjà un deuxième item sur Karma MDR.
MDR. Et il va prendre l'item support juste après. Oh ah, ça y est, effectivement, on va laisser les ressources à Anata. Hein. Oh, Anata, Atushi. De toute façon, il a déjà deux items, donc. Il est full stuff, hein. Il est tellement bien. Et là, du coup, on va juste générer des golds d'une autre manière. Batou. Okay, c'est pas vraiment sur Théoloris qu'on a envie d'engage. On a envie d'engage sur qui, là, tout de suite? En vrai, on a juste envie d'engager sur la cible qui est à portée de Nathan. Hein. Ouais, mais est-ce qu'on a assez de dégâts sans Gaëtan? Là, tout de suite. Ça dépend comment se passe le fight. J'imagine que le Xin a peut-être un peu plus son mot à dire que ce qu'on pense actuellement. C'est vrai qu'il a la Titanesse qui est entre ses mains. Mais à voir. Parce que pour l'instant, on parle beaucoup de théorique. En pratique, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de fight. Ah, on peut le dire, hein, on se fait un peu suer. Par contre, ce que je viens de voir, plutôt que d'utiliser le jump de Tristana sur le premier creep pour réussir à avoir suffisamment de dégâts pour tuer les trois et pas se faire avoir par la tour. Je note Michigou, merci. Oh, bah tout ici, on va essayer de forcer quelque chose sur le support des claniques. Il a encore un flash et on ne va pas plus loin. Ce que je viens de dire, du coup, pour prendre les trois creeps, du coup, il n'y avait plus de jump sur Tristana. Du coup, la Tristana pouvait pas rejoindre. Oui, mais... Enfin, force ton flash, quelque chose. Prends ton kill. Après, il venait d'utiliser tous ses CD. Mais... Bon, on n'a pas voulu aller chercher beaucoup plus loin. On savait pas ce qu'il y avait derrière. Si ça se trouve, il y avait des Xin là, quand même. Il y avait personne. Enfin, il savait pas. Ouais, voilà. Mais il y avait personne. Mais bon. Dommage que la Tristana n'ait pas pu suivre. Mais il a eu les trois creeps. Voilà. C'est... Grand respect. C'est comme ça. Il pouvait pas savoir qu'il allait avoir un petit Nautilus un peu isolé. Bon, du coup, 50 secondes, on a l'apparition du Baron Nashor. On ne peut pas encore le faire. Et tu parlais du pass building de Terminus, qui était peut-être un peu bizarre. On va l'avoir. Okay, on va l'avoir, le Terminus, en deuxième item pour Nata. Très bien. À voir effectivement à quel point le boost lui sera favorable. Dans tous les cas, on sait que les fights vont durer assez longtemps. Donc il va réussir à obtenir les bonus, à n'en pas douter. Mais du coup, pas de Ginzu trop tôt. Une minute avant le dragon, en termes de vision bot side, comment ça s'installe? Pour l'instant, c'est Velocity qui contrôle la zone. Le héros de la faille a cependant été placé mid pour réussir à gagner un peu la position. Je suis en train de voir le deuxième item qui était en train de préparer Zanxid et j'ai l'impression que c'est un Lich Bane. C'est possible, hein? L'item est très très fort en ce moment. Attention, il engage sur Théoloris. Il y a encore un flash. Est-ce qu'il peut s'en sortir? Le shield, est-ce que c'est suffisant? Le kill sera récupéré par Xeltop. Et je crois que le méfait est accompli. On va s'arrêter là, côté clanique, après la tour. Ouais, et du coup, on a récupéré un kill sur le tank. Gaëtan n'a pas encore rejoint le reste de son équipe. On a une téléportation. Et du coup, là, pour contester quoi que ce soit pour Akroma, ça va être extrêmement compliqué. Tu peux pas vraiment reprendre la position dans la rivière. Le dragon va apparaître au moment où Théoloris revient à la vie. Donc ça va être plutôt difficile. Tout de même, petite tentative. On met beaucoup de dégâts sur Batou qui va réussir à avoir une seconde vie avec l'Iron Solari, la Rédemption, les Shields, la Moonstone et Gaëtan qui fait enfin son entrée, qui va ajouter le petit montant de dégâts nécessaire à ce que Klanik remporte totalement cette phase de jeu. À bas le dragon, on part immédiatement sur le Baron Nashor. Et les claniques ici qui font un bon break en termes de gold, 3000 en leur faveur. Et de l'autre côté, après ce Baron Nashor, ça sera d'autant plus les claniques e-sport qui trouvent la faille sur cette mid lane, sur malheureusement une position à Chroma, et bien qu'il manquait encore de dégâts. Ouais, le truc c'est que je pense que Chroma sont un peu frustrés de ne pas avoir vraiment pu jouer l'early game à cause de cette stratégie Karma. Et ils sont en train de se poser la question, est-ce qu'on peut jouer un peu plus tard dans la partie en fait? Parce que le late est pas évident non plus. Donc on a perdu un peu patience et on se fait avoir. Ouais, Théoloris ici qui cherchait une position de flanc, menaçait sur la position autour du héros de la faille, mais se fait surprendre par ce très bon abordage de la part de Batou. Et là, tentative de réengage de Xeoner, alors qu'on avait encore tous les outils sur la Karma. Et là, les shields... Allez, premier shield, la rédemption qui arrive, voilà, deuxième shield. Encore l'Iron Surrey qui a été utilisé juste avant, et Batou était très tranquille. Et là, un petit peu de frustration, je pense, parce que Velocity, il met un giga headbutt
de Gaëtan vers son équipe. Du coup, t'es pas forcément très heureux, non? Ouais. Ouais. Bon, on revient sur le live. On a juste eu un vol d'Ultivarus. Ok. Donc, on a effectivement ce Sylas avec le Lich Bane. Et avec un Ultivarus. Est-ce qu'on peut vraiment catch quelqu'un là-dessus? Là, un peu n'importe qui peut face check. Hein. Parce que tant qu'il a la Karma derrière, on n'est pas trop inquiété pour pouvoir reprendre la vision. Ouais, les clans qui occupent ce top side sans aucun répit, tout simplement, vont aller chercher cette T2 probablement au niveau de la mid lane, la wave suivante qui arrive, tandis que vous le voyez, hein, le Don est en train tout simplement de martyriser son match-up top side, près de 2000 gold d'avance pour lui. Voilà, tentative de côté d'Akroma, on va utiliser l'ulti du Varus qui avait été volé, on essaie de tout mettre sur Touchy, la rédemption va permettre de gagner énormément de temps. Et Nata, il enchaîne, les flèches qui s'enchaînent et on ne peut rien faire. On se fait allumer à bout portant, les dégâts ne sont pas suffisants. Il n'y a pas de dégâts. Et on va pouvoir tranquillement avancer du côté des clans Nyx. C'est Gaëtan qui trouve la première faille au niveau des D2 sur cette top lane. La suivante sera bien évidemment au mid avec les 4 joueurs clans Nyx qui sont encore debout, encore vivants et qui surtout sont quasiment full HP. Littéralement rien à faire. Cette game me semble terminée, Zéro. Mais ça me semble être tellement un casse-tête. Parce que s'ils peuvent pas vraiment jouer en late, s'ils peuvent pas vraiment jouer en early, si en mid-game tu fais le choix d'avoir... Fallait peut-être pas partir séculaire. Hein. Fallait partir sur un vilain onde orageuse et essayer d'avoir full burst sur une cible. Ou... Je sais pas, je me pose la question, quelle était la solution à Chroma en fait? L'impression que ça déroule devant nos yeux et que... Ouais, c'est normal. Ouais, quoi d'autre? Bah, le truc, c'est que je pense qu'ils se sont tout simplement fait avoir par ce pic karma en fait. Ouais, la karma midlane fait très très mal. Nouvelle tentative de fight, on est dans la jungle adverse pour Clanic, mais il semblerait que ce ne soit pas un souci. Velocity qui va tomber une nouvelle fois, quatrième mort pour le Alista. Forcément au premier rang. Ouais, c'est lui qui doit se sacrifier pour son équipe, mais malheureusement il en paye le prix fort. 4 morts, mais surtout une nouvelle T2 du côté des Clanic qui sont en train de continuer leur... Snowball quasi parfait en réalité, hein. 24 minutes de jeu, 10k gold d'avance. On a eu des games relativement one-sided pour l'instant. Hein. Ouais, ça paraît d'une facilité déconcertante. Gaëtan, nouvelle tentative face à Xanxi. Le Don. Ah, ça dure longtemps. Normalement, ça va durer longtemps entre les deux. On a des bons montants d'HP. Je pense que s'il n'y avait pas l'arrivée des Akroma, ça durait plus si longtemps que ça. Hein. Ouais, et c'était clairement pour Gaëtan. Ouais, Gaëtan qui est habitué à Gotham City, hein. La faille est un petit peu trop petite pour lui. Un peu trop facile juste d'affronter un Sylas quand il y a beaucoup plus d'adversaires à affronter à Gotham. Ouais, en même temps, le Joker, le Pingouin, pour enchaîner sur les différents méchants de Batman, je les connais tous, mais pas moi. Ah, okay. Pas moi. Non, c'est vraiment tout seul dans ma liste. Là, là. Ah, je sais que t'es fan de comics aussi. Je sais que t'es fan de comics, ça fait partie de tes gros petits plaisirs. Frérot, les gens le savent pas assez, hein, parce que je présente bien, mais je suis un gros weeb. Hein. Pour l'instant, une game on ne peut plus clean de la part de Clanic. Et on a commencé à prendre de l'anti-heal, hein. On en a sur Alistar, mais pas vraiment suffisant parce qu'on a rajouté en plus du heal sur la Gwen. On a pris la fleur de crypte, donc si jamais on a un kill, on a en plus le heal de zone, comme si on avait besoin d'un peu plus. Oh, une TP flank, le teamfight du désespoir du côté de Zanxid. Bah, ou alors juste le pick-up. Non, bah c'est fini. Ouais. Ils essayent des catchs. Hein. C'est, enfin, vraiment, c'est un casse-tête. Hein. C'est un Rubik's Cube à 8 faces. C'est, comment t'arrives à résoudre ça? Bah, écoute, tout ce que je sais, c'est que le meilleur détective du monde à la top lane, il l'a vu cette TP. Et du coup, il a immédiatement reculé pour ensuite tranquillement se repositionner sur la carte. Prochain dragon qui va faire son apparition. Clanic qui est déjà dessus, tout simplement. Et ne laisse tout simplement rien au hasard. Dragon, dans 40 secondes, c'est Baron Nashor. Et les Akroma vont devoir tout simplement jouer leur bateau. Bon, ça c'est fait. Sur le top side, on va récupérer une petite tour. Niveau 15 pour Zhangxi tout de même. Pas trop loin du niveau 16 Sylas. Normalement, c'est bon signe. Niveau 16 Sylas, mais c'est en même temps que le troisième item d'un Varus. Ça fait un bon moment qu'on a les 3 items sur Karma, 3 items sur Gwen. Bah, 4 items sur Karma, là, les items support aussi.
Elle est quasiment full. C'est vrai, c'est vrai. My bad, my bad. Un frérot, enfin, faut apprendre le jeu. J'ai oublié l'item qui coûtait 500 balles. Bon, du coup, enfin, différence de stuff au rôle d'AD Carry est présente. Juste, en soi, pour Klanik, comme on se dit que la Karma peut pas être beaucoup plus puissante, si on saccage un peu ce Baron Nashor, ça peut mal se passer. Mais pour l'instant, j'ai du mal à voir comment ils perdent un teamfight. C'est le problème, effectivement. On n'a pas les trois items sur Zangtid et je pense que cette absence de Penny lui manque un petit peu. Le Baron Nashor qui est bientôt terminé, 4500 HP. Est-ce qu'on va turn bien sûr du côté des Klanik? On re-engage, c'est Loris qui est là, pas trop mal. Oh, est-ce qu'il va être bon? Oh, il peut-être ici avec l'ultimate de Xeonair. Il faut faire tomber au moins une cible. Pitié, faites tomber que au moins une cible. Quelqu'un meurt! Qui ne meurt pas! Et personne ne meurt du côté des Klanik. On re-engage peut-être avec Zangtid. La re-engage ici qui fait pas mal de dégâts. Touchi qui ne tombe pas. Par contre, mais y a personne qui meurt! Oh, c'est pas vrai. Enfin, mais c'est du côté des Akromas le deuxième kill. On a déjà obtenu par Nata et son Varus. Triple kill et le Don va récupérer le dernier de ce teamfight. Il semblerait Michigou va repartir la vie sauve. Mais c'est quoi ces barres de HP? C'est ridicule. Ils ont tous des ulti-kills, c'est n'importe quoi. C'est ridicule. Klanik qui révolutionne une partie de cette méta enchanteur qu'on voit un petit peu partout avec une nouvelle composition Disgusting, Fini Sénère Séraphine, c'est l'heure de Karmamid avec encore une fois shield. On avance avec le shield, on avance sur Michigou qui va tomber sous les coups de Touchy et on avance également sur Velocity qui va peut-être sauver un peu son honneur et qui va sauver également peut-être l'inhibiteur. Non, y'a rien à sauver. Y'a rien à sauver. Klanik va scorer sa première victoire du split. Ils rebondissent après la défaite de vendredi et rebondissent d'une manière. Mec, j'ai pas la solution. C'était compliqué. Akroma devait jouer comment cette game? C'était très très compliqué, hein, vraiment. Akroma qui a réussi à prendre un petit peu tout le monde à contre-pied sur cette draft. Peut-être Karma qui arrive un peu au milieu de tout. Et j'ai l'impression que, tu vois, on a voulu jouer un peu le flex autour de cette Tristana du côté des Akroma. Et bah, finalement, bah, on se prend les pieds dans le plat parce que tout nous met un petit peu en échec à maths. Bah c'est bien joué, hein. Préparation diff, petite draft diff qui a été bien appliquée, hein. Et au passage, on voit que la strat est quand même très efficace, on ne l'avait pas encore vu. Chapeau bas à Xeltop, tout de même, parce que c'est un peu la pierre angulaire de toute cette composition, la Karma est bien menée. Ouais, écoute, ça a été clean, bien exécuté du côté des Klanik et Akroma qui tombe et qui du coup en plus de ça nous fait perdre à tous nos pronostics parce que seul Twitter avait voté pour Klanik si je dis pas de bêtises. Oh non, et du coup Twitter est le seul à 100%. Bref, on aura le temps d'en débrief juste au niveau du post-show. On se retrouve tout de suite. Oh non.